Ton fils, est-ce que ton fils va descendre? Ton fils n'est pas cool. Ton fils, on se couvre, mais ça va se voir. Soulève là-bas. Mon type, arrête avec deux mains. Oui, arrête avec deux mains. Très plaisir une fois de plus de te témoigner ma profonde reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour moi, pour ton chéri. Je sais que l'Éternel Dieu, mon Père, t'acceptera. Je sais que tu sièges à sa droite. Je sais que tu es au ciel, car tu étais un homme de bonté. Tu étais un homme vraiment qui a prouvé que le monde devait se soutenir et s'aimer selon la Bible. Tu nous as laissé une parole, tu nous as laissé un modèle, c'est celui de la solidarité, de l'acceptation de l'autre. À la diaspora, nous prendrons exemple de ton modèle de vie. Doudou Teklengou, laisse ta fille. Je t'aime, je t'aimerais. Tu... Bonjour, nous sommes ici au village dit Maningbande, dans l'arrondissement du Lonako, en Consaba, province du littoral, pour rendre un dernier hommage à un homme, un digne fils du village, qui nous a quittés le 7 janvier 2013 à Douala, suite d'un malaise cardiaque. Monsieur Sambombole Charles, qui n'est plus avec nous. Ce matin, nous vivons les obsèques avec la cérémonie traditionnelle. Et nous pouvons remarquer là la première épouse de Sambo. Et la personne qui est dans la cour en ce moment, c'est la fille aînée du défunt, Charlotte, sœur traditionnelle, pleurer son père, lui dire au revoir. Nous serons avec vous tout au long de cette cérémonie, mais déjà il faut dire que hier, la cérémonie avait commencé avec... une veillée traditionnelle arrosée de la danse Ngonon, que malheureusement nous ne sommes pas parvenus. Et c'est une peine et une douleur de couvrir cet événement qu'elle perce encore dans le département du Mungo. Un grand témoignement. Là, papa. Pas avec la là. En bon. Papa. Papa,
c'était donc la fille aînée du défunt, Charlotte, qui est venue partager son émotion et dans le village. Charlotte qui est soutenue là par la famille paternelle et son époux, que nous allons remarquer dans les rangs. D'un moment à l'autre, on venait de le voir en nouveau vert là. Et toute la communauté manégoubéenne, principalement la famille Cole, dont était originaire M. Charles Sambo, qui vient donner un ouf, hein, un support à sa fille aînée. Ce n'est pas facile, on le sait, hein, des moments pareils où la circonstance est douloureuse, émotionnelle et très très profonde. Nous sommes ici au village Manengouba 2 pour pleurer notre père, époux, frère, monsieur Essambo Charles, qui nous a quittés le 7 janvier. Monsieur Essambo Charles, qui était né le 19 décembre 1948, qui a vécu longtemps à Paris et qui est rentré au Bekaï définitivement en ce jour où nous vous appelons. À partager ces moments douloureux avec la famille. C'est le mari de Charlotte donc on voit l'ouvert là, dans le poster. Il s'en est allé, 10 fils de village, 10 dignes fils de la diaspora hein, camerounaise à Paris. Il a laissé les échos là-bas, vu l'expérience et sa contribution dans la communauté en France. Charlotte en action pour dire papa, c'est papa qui est mort, et viens le pleurer. D'un moment à l'autre, nous commencerons avec les cérémonies religieuses, juste après cette ouverture de cérémonie traditionnelle. Nous allons remarquer derrière un chapeau noir, boubou jaune, le fils aîné à M. Charles Essambo Eric. Que vous voyez un grand poster là derrière, observant sa sœur à la commande des cérémonies traditionnelles. On voit, on lit l'émotion dans le visage d'Eric. Et Carole et Sambo que nous voyons là, foulard violet, peau noire. C'est dans l'ouverture des cérémonies traditionnelles de cet événement. Le village Manengouba, une fois de plus, perd un digne fils du territoire. Il faut dire qu'il n'y a pas longtemps, ce village venait d'enterrer son chef, Sa Majesté Ngoulé Wanen, dont le père Charles Sambo était aux obsèques. Nous ne savions pas qu'il était le prochain sur la liste. Que faire devant la volonté du Seigneur? Nous ne pouvons que l'accepter. Les parlements sont... À cause de moi, c'est Dieu qui le dit. Soyez dans la joie. Soyez heureux parce que Dieu vous prépare une grande récompense. Ils sont heureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Ils sont heureux ceux qui sont bons pour les autres parce que Dieu sera bon pour eux. Mais dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Car les œuvres les suivent. L'Éternel nous recommande le pardon, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de notre iniquité. Oui, vous qui proclamez la parole de Dieu en pareille circonstance, la parole de Dieu est plus que tout. C'est d'ailleurs la meilleure au monde. Quand Dieu nous arrache un être aussi cher, lui-même nous console parce qu'il les blesse et il les guérit. Celui qui croit, qui ne croit pas, est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Qui croit au nom du Fils, il a créé la vie, il a créé la mort. Et le commande nos vies. Tout ça, c'est pour amener les gens à aller s'asseoir. Je ne veux plus qu'on parle dans mon dos. Le pasteur va arriver, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Venez vous asseoir ici. Quand vous parlez dans mon dos, c'est comme ça que vous allez déranger le pasteur tout à l'heure. On est troublé
la parole de Dieu, quand elle s'est dit oui, elle s'est dit pour ceux qui sont vivants, ce n'est pas pour le mort. Donc quand vous parlez dans mon dos là, si moi je suis gêné, le pasteur sera plus que gêné. Tout ce que j'ai dit là, c'est pour introduire la cérémonie, pour vous amener à rentrer immédiatement dans la parole du Seigneur. La parole est vie et vérité. Quand vous la recevez, vous êtes béni. Quand vous parlez dans mon dos comme ça, le pasteur, lui, sera plus que gêné. J'ai les difficultés parce que je n'ai même pas pris mes lunettes. Je bute là, excusez-moi, ce n'est pas de ma faute. On m'a appelé très vite, j'ai oublié les lunettes. Le culte est donc un temps fort dans un programme. Encore que Jésus dit qu'il n'est pas Jésus-Christ, il est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le chemin et non l'un des chemins, qui est la vérité et qui est la vie. Jésus qui est la solution à tous nos besoins. Vous parlez de problèmes, Dieu parle de besoins. Toute personne sur la terre est appelée à mourir. Mais si tu es chrétien, c'est-à-dire si tu as la crainte de Dieu, tu as le salut. Celui qui a la crainte de Dieu sera ramené à la vie par Christ. Celui qui se laisse toujours conduire à un cœur commun. Le corps va rester à l'intérieur. Le pasteur va nous allons commencer le culte. Que lui soit la parole de Dieu en ce jour. Merci d'être venu. On va commencer le peuple de Dieu, bonjour. Bonne année. Veuillez éteindre vos portables, vous les mettre sous le bord. Restons calmes et préparons-nous à être à la présence de Dieu dedans. J'ai soif de ta présence, dis-je de dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Tu as été pour nous un refuge de génération en génération avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle est bobe se baille ton banzambe. Aïe, et la lecteur de la Bible. Ils vont se retrouver l'Ecclésiaste, le livre de l'Ecclésiaste. Nous allons lire le chapitre dans le chapitre 1, les trois premiers versets, et on va se déporter au chapitre 3, où nous allons lire les deux premiers versets. Ecclésiaste, chapitre 1, du premier au troisième verset. J'ai avec moi la version du docteur Segond. Nous prions ceux qui sont derrière nous de faire silence. En voici la teneur. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche,
il soupire après le lieu d'où il s'élève de nouveau. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui était planté. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais cette parole demeure d'éternité en éternité. Amen. Amen. Bonjour. Bonjour. Parce que c'est déjà presque midi. Je sais que les gens sont crispés parce que c'est le deuil. Mais je voudrais qu'au-delà de ce deuil, que tout le monde prenne connaissance du message du Seigneur. Parce que en fin de compte, c'est le chemin qui nous attend tous. Ça veut clairement dire que pour ceux qui connaissent la Bible et qui lisent, et même quand on voit le quotidien, on voit des générations défiler, d'autres arrivent, les gens partent, ils meurent, quel que soit ce qu'ils sont, et d'autres reviennent. Ça veut tout simplement dire que c'est le chemin de tout le monde. L'Ecclésiaste, l'auteur de ce passage, de ce livre, est quelqu'un qui a longtemps vécu. Quelqu'un qui a été un sage en Israël. Quelqu'un que notre Dieu a souverainement élevé. Parce qu'en fait, il s'agit de Salomon. Comme vous le savez tous, Salomon a eu une grande gloire. Salomon a été majestueux. L'Éternel l'a utilisé. Il a été souverain en Israël pendant 40 ans. Et il a fait des grandes choses. Vous le savez bien, pour ceux qui se prêtent à la parole de Dieu, que Salomon a tout fait toujours. Quel que soit ce qu'on a été, quel que soit tout ce qu'on a été sur la vie, pauvre, jeune, malheureux, riche, et homme au pouvoir, etc. Mais on finit toujours par périr. On finit toujours par mourir. Et c'est pour cela que, au chapitre 3, il a dit, il y a un temps pour naître et un temps pour vivre. Mais alors, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Mais je vous convie tous au deuxième temps, le temps intermédiaire. Dès qu'on naît, il n'est pas quand même né. Lorsque nous voyons ce qu'on a retracé ici, il est quand même né en 48 et il est mort en 2013. On dit il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, c'est ce que la Bible nous dit. Mais il y a un autre temps intermédiaire. Et c'est ce temps intermédiaire que je vous appelle nous tous à méditer. C'est le temps de vie. La Bible ne parle pas de ce temps parce que ce temps est éphémère. Vous savez... Que mon cœur peut faire, oh non, Jésus mort pour nous. Quel bonheur, quel bonheur. Tant que moi de l'éternel. Quel bonheur, quel bonheur. Que je suis émanuel. Oui, éternel Dieu, tu es digne de louange. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi le souverain maître de l'univers, toi le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, éternel, merci, béni sois-tu parce qu'il t'a plu qu'en ce jour où nous accompagnons notre frère Essambo à sa dernière demeure terrestre, que nous puissions prendre part à cette adoration en ce jour. Descendons, Père éternel, et sanctifie-nous, toi le Dieu trois fois saint. Remplis-nous de ton Esprit Saint et permets que notre adoration soit pour ta gloire et pour ta gloire seule et qu'elle puisse monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a appris à te prier en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mais ce public va m'excuser un tout petit peu, parce que je vais d'abord parler en Maningouba. Beaucoup de nos tantes ici, nos sœurs, nos mamans me comprennent.
Ceci a la même valeur pour nos oncles. Adan Somnia, Somnia Bassien, Dina Hoppen, Tomerum Boussou Sol, Arna Boussou Sol, Amo Mwanoko Mbem. Mwanoko Seuma Inainen, Mwanoko Seuma. Adja, Mwanoko Mbem, Mende. On sait pas si on a un beau pot. Yola. Tembele Yuma. Tembele Yuma est tout le samboué. Au moins, il y a un moi, Rumba. À quoi c'est Yuma? Et bien, à samboué, à ma car, à ma belle Yuma. C'est pas si on a un cône, t'es à beau timbal, maillot. Bon, 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 bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus nous assister dans cette dure épreuve que nous traversons. J'ai été l'épouse de Charles pendant 14 ans. Nous avons eu de merveilleux enfants, deux merveilleux enfants. Nos premières années ont été très très belles et c'est celle-là que nous garderons. Par la suite, comme dans la plupart des groupes, nous avons fini par nous séparer. Et 28 ans après, nous avons repris contact, on se reparlait. 28 ans après notre divorce. Donc jusqu'à ce 16 décembre 2012, où je me suis réveillée un matin, j'ai dit à mes enfants qu'il fallait que j'aille au Cameroun passer les fêtes. Je suis partie juste avec deux vêtements, pas grand-chose. C'était comme un appel, il fallait que je vienne. Je suis arrivée le 22 décembre. Nous avons passé des moments formidables, de très belles fêtes. Nous avons beaucoup ri, beaucoup blagué, dansé, discuté. Tout s'est très bien passé jusqu'à cette journée fatidique du 7 janvier 2013. Suite à un malaise, où il nous a quittés. Il est mort dans mes bras, mais heureux, très serein. Il n'a pas souffert. Et c'est ce regard que je garderai toute ma vie. Donc, je pense que c'était déjà écrit. Je ne sais pas si c'est un signe du destin. Dans ce regard, j'ai compris qu'il me disait: tu étais là au début et je suis content que tu sois là à la fin. Donc, ça a été très vite, en un quart d'heure, à 18h, 7 janvier. Donc, c'est ce moment très fort que nous garderons, les enfants et moi. Il nous manquera énormément par ses blagues, par ses rires, ses plaisanteries. Mais il laisse un grand vide parce qu'il était d'un abord très très facile. Monsieur Essambo, Charles Bouchézi était un grand ami. Un grand ami. Nous avons perdu quelqu'un. Je ne sais pas si vous pouvez avoir quelqu'un d'autre comme lui. Parce que chaque fois que je suis arrivé à Paris, et même avec ma famille, il nous a toujours accueillis. Bonsoir à tous. Bonsoir à l'élite Maningobienne. Bonsoir à la famille. C'est comme un rêve pour moi de venir témoigner ici ce que j'ai vécu très profondément avec tonton Charles en 99. C'était comme hier. Je
vous souvenir que un dimanche, quand je suis arrivée à Paris, invitée par ma sœur de sang, j'ai été abandonnée à la gare de Clignancourt. J'ai passé 7 heures de temps à attendre, à appeler. La première fois, le téléphone a sonné. Elle m'a dit, attends, j'arrive. La deuxième fois, je suis en route. La troisième fois, c'était le reporter. Je me suis rappelé que j'avais des amis à Paris. J'ai appelé tous ces amis. Tous ont répondu la première fois. La deuxième fois, c'était dans le répondeur. Mon vol était parti de l'Allemagne. J'avais pris un bus. J'avais fait 4-5 heures de voyage dans la nuit. Je n'avais pas dormi. Nous sommes arrivés à Paris à 5 heures du matin. J'étais encore à la porte de Clignancourt jusqu'à 13 heures. Je ne savais où aller. Deux fois, la police parisienne m'a demandé « Qu'est-ce que vous faites là ?» La gare était vide. J'étais presque en déportation. Quand je me suis rappelé qu'à l'aéroport, ma famille m'avait remis un numéro. Ils m'ont dit « On ne sait jamais. C'est un oncle du village. » C'est ainsi que je décida d'appeler ce numéro. La petite fille à la maison a décroché. Elle m'a demandé à qui voulez-vous parler. J'avais tellement pleuré que je n'avais plus de voix. J'ai dit à tonton Charles. Elle a couru appeler papa. Il paraît qu'il était sur la douche. Il s'apprêtait à aller au culte. Il a pris le téléphone et il m'a demandé la même question. J'avais tellement peur qu'il me raccroche que j'ai dit « T'éclaire, Ngoulé ». Il m'a dit « Pourquoi tu pleures? Y a-t-il une mauvaise nouvelle au pays ?» Il croyait que je l'appelais le Yaoundé. Je dis « Non, tonton, je suis à Paris. » Il me dit « À Paris, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui dis « Tonton, je suis abandonné à la porte de Clignancourt. » Il m'a dit « Quoi ?» Ne bouge pas, j'arrive. Tonton Charles a fait presque 1 heure. Il n'est pas arrivé. Je croyais qu'il avait fait comme les autres. Mais je ne savais pas qu'il partait du sud de Paris, à Tremblay en France, pour aller à Clignancourt. C'était tout un voyage. Je l'ai vu une seule fois. J'étais toute gamine. Je ne savais pas que j'allais le reconnaître. Mais je l'ai reconnu parce que quand il est venu, il était en bois africain. Et quand il m'a reconnu, il a fait ça. J'ai compris que c'était lui. J'ai couru, je suis tombée sur lui. Je n'ai fait que pleurer. Tonton Charles m'a dit, t'es claire, arrête de pleurer ma fille. Bienvenue à Paris. Il m'a ramené chez lui sans me demander un 5 francs, sans condition. Et je pense que si je suis aujourd'hui aux États-Unis, je le dois à ce monsieur. Parce que je serais rentrée au Cameroun si il n'était pas venu me chercher. On ne voit pas où on a commencé. On se souvient toujours de là où on est arrivé. Mais je me rappelle que ce dimanche 99, c'est là où avait commencé mon aventure chez les Blancs. Tonton Charles, la dernière fois quand je t'ai rencontré au dehors de papa, tu m'as dit que tous les enfants que tu as gardés à Paris, j'ai suivi tes conseils, j'ai réussi, tu en es fier. Mais je viens te dire en retour, papa, que si tu as vu en moi une fierté, tu es celui qui a posé cette première pierre. Papa, j'ai réussi grâce à tes conseils. J'ai réussi parce que tu étais là pour moi. Et même quand j'étais partie de chez toi à Paris, j'étais en Oulang, il m'appelait, j'appelais, il me donnait les conseils. Et un seul conseil qu'il m'a donné et que je garderai, n'oublie jamais ton village. Construis quand tu auras les moyens au pays. Ton pays est important. Et tonton Charles, j'ai fait ta parole. Je suis fier de toi. Tu es parti sans que je ne sois préparé. Mais je suis fier d'une seule chose. C'est que tu as été. Beaucoup ont témoigné. Quand j'ai mis ça sur Facebook, j'ai compris qu'il en a fait pour beaucoup ce qu'il a fait pour moi. Tu as fait beaucoup d'heureux, beaucoup de bonheur. Et comme je ne peux pas continuer à écrire des discours,
C'est vrai, je suis journaliste, mais j'ai fait des poèmes que je n'ai pas pu finir depuis qu'il est mort. Je lui ai dédié cette chanson. Tonton Charles, je ne pourrais pas te pleurer, je t'avais toujours appelé tonton chéri. Tonton chéri, va et que la terre de nos ancêtres soit légère. Je vous remercie. Pour faire intervenir un mot, on lui demande son avis. On ne l'élève pas au milieu de la population pour lui dire « Viens intervenir. » Mais comme je suis chez vous, je suis un beau, je suis soumis, j'ai été obligé de me lever. Je pouvais rester assis. Bon. Moi, je ne fais pas de témoignage. Ceux qui me connaissent le savent. Donc, je n'ai pas de témoignage à faire ici. Pour la population qui est là présente, je suis venu dans cette famille. J'ai épousé une femme ici, dans cette maison, qu'on appelle Essabo. Chef de famille qui est cool. Je suis un peu plus jeune que moi.
second Abba, Pasteur Buntena, nous conscients ce dia ensemble, nous sommes nantinés Satan. A-t-il aillé ni outil nos familles-t-il? Mais c'est le bambou bâchon, ah non, mais il est-il? Ou quand c'est le Satan, non? Nous le diamant, nous sommes là, 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 nous sommes là. Même le mois à ami, vous m'avez bien besoin de vous. Bon bal, mon l'exabot n'a pas de wesson à tamier à son pain. Bon moment pour ma nombre. Donc, que vous siennez la bambala nuit porte conseil. C'est le bébé bana comme bananani. Le sang de son bois, mon roi à un sang mais ça. Nous sommes tous les gens qui sont là. Nous sommes tous les gens qui sont là. Nous sommes tous les gens qui sont là. Nous ensemble. Non, non. Je ne sais pas si je suis un peu plus grand. Chers frères, nous pouvons que vous dire merci. Merci pour nous avoir assisté. J'ai sorti de loin que le Seigneur nous a amenés pour la propagande. Tout le monde a besoin d'ici. Je sais que c'est difficile pour nous. Les amis qui ont mis. Depuis les années 2000, nous n'avons jamais passé une année sans toutefois altérer soit un enfant, soit un parent. Donc aujourd'hui, mon frère de vous, je crois que le Seigneur a bien voulu que nous assistions comme frère de vous. C'est difficile encore pour moi de rentrer dans les souffrances et les détails. Je dis tout simplement merci encore pour tout ce soutien. Nous apporter tout le temps quand nous sommes malades. Je veux vous dire ici que ce soit les hommes de mon courant, les hommes de mon mari et toute la grande famille de mon mari. Je serai, je vais demander ici à mes frères et à mes soeurs de rester soudés et très forts. Quand il y a du tout pareil, il n'y a pas de problème. Nous serons le même problème entre les frères. Je vous dis tout simplement merci à tout le monde. Et que le Seigneur vous accompagne. Voilà. Question d'accord. Vous voulez laisser ? Vous voulez être prisonnier là ? Moi, bien là, Seigneur, toi qui as fixé les limites du temps à Charles, parce que c'est toi qui détiens la longueur de nos vies ici sur terre, et tu as rappelé à lui, à toi, ton serviteur Charles. Maintenant, il est donc devant ce caveau, où il va être maintenant englouti par cette terre, que toi-même, depuis les temps, tu as su dans ton immensité et dans ton omniscience, que c'est ici qu'il passera, qu'il se reposera en attendant la trompette. Nous voulons, Père éternel, nous qui sommes témoins ici maintenant, que tu sanctifies. Laissez tomber le corps. So me well, mini, so me well.
Makana ne dio mwena tolwe o. Makana ne mo mwena namsiwe o. Makana ne mo mwena konwe o. Makana ne dio mwena namsiwe o. Somi we o atan somi. Somi we o mini somi we o. Somi we o bye bye. Somi we o mini somi we o. So me well, oh, bye bye. Bye.